C'est une vidéo très spéciale parce que c'est mon anniversaire. Je suis née le 21 mars, donc au moment de filmer cette première séquence, on est le jeudi. Je vais vous emmener avec moi dans ce week-end parce que du coup, j'ai décidé d'inviter tous mes amis proches dans un chalet qui a l'air d'être incroyable en photo. Donc j'espère que ça va être pareil en vrai. Oui, oui, j'ai une énorme valise pour ce week-end. Vous savez, les affaires de montagne, ça prend beaucoup de place. Ceci est une excuse. C'est juste que je ne sais pas faire ma valise, donc en général je mets tout dedans en me disant ah bah, peut-être que je vais mettre ça, et au final je ne vais pas les mettre. Mais écoutez, au moins j'ai l'option de disponible dans cette valise. Du coup, c'est parti, il y a environ 40 minutes de route pour aller jusqu'à la Clusa où est le chalet, donc let's go. Attendez, je vais vous bouger parce que là, il y a beaucoup d'ombre. Il faut quand même que vous voyez mon visage. Donc du coup, on se retrouve au chalet. On est arrivé hier soir et on n'a pas pu voir vraiment le chalet parce que forcément, on est arrivé un peu plus de nuit. Mais là, on s'est levé ce matin et c'est absolument magnifique. Comme vous pouvez le voir, il fait super beau. Donc on a trop de chance et la vue, elle est absolument incroyable. Je vais vous montrer. Attendez, je vous montre la vue. Waouh, on a la vue des montagnes et tout. On a un petit balcon en plus, regardez. Le spot parfait pour boire un café, lire un livre. Et trop beau, trop beau, j'adore. Getting lost is time not wasted. As long as it's with you. Unknown roads and foreign places that we're traveling through. We could drive round in circles. Any place will do. Et c'est parti pour un petit home tour. Donc en premier, je vous présente le salon. Alors la lumière ce matin était vraiment magnifique. Et regardez-moi la décoration, vraiment c'est sublime. Petite terrasse, j'ai adoré les tableaux, les détails. Tout a été hyper bien pensé, je trouve, pour un chalet de cette taille-là. Parce que de mémoire, ça fait plus de 300 mètres carrés. Ça peut accueillir quasiment 14 personnes. Il y a 6 chambres. Donc, c'est parfait pour un gros groupe comme le mien. Et regardez-moi encore une fois tous les détails. Là, vous allez voir de l'autre côté du salon. Vraiment, c'est immense. Et là, je vais vous emmener dans l'endroit que j'adore le plus dans cette maison. Il faut juste que je mette le code. Oh là 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 là! Non mais regardez-moi la taille de cette piscine et la vue, mais vraiment c'est exceptionnel, ce chalet il est magnifique, je vous montre la vue là, oh, wow. Franchement mais c'est tellement beau, oh, cette piscine, non mais regardez, attendez je vais vous montrer, si j'arrive que, regardez je vous montre, oh là 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 là, c'est tellement beau. Avec la petite vue, etc. Là, je sens que je vais me poser cet après-midi et je vais lire. Ou peut-être dehors. Attendez, je vous montre dehors aussi. Et regardez dehors. Alors ça, si c'est pas la vie, je sais pas ce que c'est. Vraiment, je... Et je vais vous montrer l'extérieur. Oh non, mais c'est sublime. Non, mais regardez-moi cette vue. C'est le paradis. Vraiment, waouh. Du coup, là, c'est l'heure du petit déj. Mmh.
Franchement, c'était tellement bien d'être avec mes amis, manger le matin, le midi, le soir. J'ai l'impression que c'était un peu une colonie de vacances. Donc franchement, c'était trop agréable. On a énormément profité de la piscine intérieure et franchement, c'était hyper agréable, sachant qu'à l'extérieur, il faisait pas mal froid. Il y avait aussi un sauna et hammam. Donc pareil, on a énormément profité. Et le balcon qui était parfait avec un peu de soleil. Franchement, ce week-end était trop bien. On a profité avec mes amis à fond. Non seulement d'aller aussi à la Clusa, boire des verres en terrasse, manger. Franchement, j'ai vécu ma best life. Et surtout, le plus important, c'est que j'ai fait deux soirées, donc une pyjama party. C'était grave mon rêve de faire ça. Donc du coup, le premier soir, tout le monde devait porter un pyjama. Et franchement, le pyjama de Nico, c'était le best. Et on s'est trop amusés. Et pour le deuxième soir, c'était là mon anniversaire. On s'est tous hyper bien apprêtés. Et regardez-moi la cutance de mon gâteau d'anniversaire, il est vraiment magnifique, c'est exactement ce que je voulais. Ensuite, il était temps de souffler mes bougies et vraiment à ce moment-là, j'étais mais tellement heureuse. Je pense que ça se ressent, je souriais tout le temps, on a dansé, on a fait un karaoké, vraiment une soirée que je me souviendrai très longtemps. Du coup, je suis bien rentrée à la maison et regardez-moi ce magnifique bouquet que j'ai reçu pour mon anniversaire. Vraiment, j'ai trop été gâtée d'amour, de love. Vraiment, c'était un week-end qui était absolument incroyable. Et surtout, cette vidéo, ça me fait des super souvenirs avec mes amis, les temps passés là-bas. Et franchement, comme je vous disais, ce chalet est absolument incroyable. Si vous voulez, je vous mettrai le lien pour la location parce que c'était ouf. Surtout ce week-end-là, ça m'a permis vraiment d'avoir tous mes amis proches au même endroit parce que c'est vrai que c'est assez rare qu'on arrive à tous être disponible. Il y en a toujours un qui est pas là. Donc là, j'avais tout le monde avec moi et surtout quelqu'un en particulier. Si vous voulez, un jour, je vous en parlerai. C'est vrai que c'est assez récent et que c'est tout nouveau et que j'essaye un peu de profiter de ce qu'on a, mais je pense que vous avez aperçu quelque chose dans cette vidéo. Je commence seulement à vous partager ça, donc si vous regardez cette vidéo YouTube, vous aurez cette info un peu en exclusivité, mais en tout cas, voilà, je suis très heureuse, c'est vraiment quelque chose qui m'est un peu tombé dessus sans que je m'y attende, et quand je me sentirai prête, je pense que je vous ferai peut-être une petite vidéo par rapport à ça, et surtout c'est un week-end qui m'a fait trop du bien de me ressourcer en montagne, et vraiment on avait une cohésion de groupe qui était géniale, donc j'espère pouvoir revivre tout ça. Du coup je vous laisse, et puis on se revoit dans une semaine, bisous.